Ok. Sans forme d'autres tutos, ça lance tout de suite Pile-up. Veux-tu apprendre le fonctionnement de... Attends, do you want to learn about... Attendez, deux secondes. Merde, j'ai dit non. Merci. Ok, je sais que le jeu peut être mis en français. Voilà, c'est pour ça que je voulais passer par le menu absolument. Fenêtre maximale, fenêtre, plein écran. Non, fenêtre maximale, sans bordure. Ah ouais, sans bordure, merci. Merci, sans bordure, vraiment, qualité haute. Moyen, faible, moyen, haut. Non, qualité haut, s'il te plaît, merci. Son et musique, c'est bon, on est bon. Je vais peut-être juste monter un peu... Oh là là. Voilà. Donc ça va être ça, les ambiances de jeu, finalement. Ça va être ça, les ambiances de jeu, voilà. Ok, c'est bon. Bon, ça a l'air d'être bien, hein. Ça a l'air d'être vraiment bien. Ça a l'air d'être vraiment bien. Super. Ok. Alors, c'est parti. Attends, mais du coup, j'ai raté le didacticiel. Non, didacticiel, c'est bon. C'est bon, il le file. Ok. Allez, c'est parti. Oh, c'est beau. Voulez-vous en savoir plus sur l'île? Oui, bon, la traduction française va pas être incroyable, j'imagine. Dans Pile-up, votre objectif est d'augmenter la population de votre île autant que possible. Ok. Modifier la sélection AE. Hein? Oh là là. Attendez, par contre, est-ce que c'est encore un de ces jeux qui met pas de limite de framerate et qui fait le malade, là? Non, c'est bon. Au fur et à mesure que la population de votre île augmente, votre île montera de niveau. Ok. D'accord, donc ça c'est quoi ça? Maison small. Maison portative. Maison sans jardin. Bureau à domicile. Je ne sais pas pourquoi il y a 3 personnes à l'intérieur. Les gens sont petits, alors on en a assez 12 dedans. Pour augmenter la population, il faut construire des maisons. Ok. Juste la maison, pas de jardin inclus. Maison sans jardin, d'accord. Bureau à domicile, une belle œuvre d'art. Ok. Sélectionnez les bâtiments ci-dessous à l'aide du clic gauche. Ok, petite maison, maison small. Ok, merveilleux. Maintenant, placez votre curseur n'importe où sur l'île et appuyez sur clic gauche pour placer le bâtiment. Genre là. Comment ça, 3 personnes? C'est sérieux, là? Et je peux tourner là. Ah oui, d'accord, c'est comme ça. Ah oui, ok. On tourne autour d'un axe. D'accord, j'ai compris. Ok. Genre là. Voilà. Placez maintenant votre curseur n'importe où sur l'île, appuyez sur clic gauche pour placer le bâtiment. Très bien. J'ai pas... Il faut que j'en place 4, d'accord. Maison portative. Les gens sont petits, alors on en a 12 à l'intérieur. Maison sans jardin, bureau à domicile. Oh, il est immense celui-là. Ah merde, j'aurais pas dû faire un angle à la con comme ça. C'est pas grave. Désélectionnez le bâtiment à l'aide du clic droit. Vous pouvez avoir plus de contrôle sur votre terrain. Pardon, pour avoir plus de contrôle sur... Oula. Le calcul des ondes fait des trucs chelous, je crois. Attendez. Cycle de jour congélation. Temps de cycle gelé, matin. Quoi? Non, mais je sais pas ce que c'est, ça. Bon, écoutez, vous savez quoi? On va mettre en qualité moyenne, comme ça, voilà. Les ondes vont pas péter un plomb. Les ondes vont pas péter un plomb. Appliqué. Merci. Ah ouais, voilà, les ondes sont beaucoup mieux. Alors, pour avoir plus de contrôle sur votre terrain, vous pouvez déplacer la caméra. Faire glisser la caméra. Alors, attendez. Faire pivoter la caméra, c'est comme ça. Faire glisser la caméra, c'est comme ça, apparemment. Waouh, ça m'a l'air bordélique as fuck. Ok, R pour faire pivoter les bâtiments. Rotation de bâtiment. Donc là, par exemple, je sélectionne celui-là et j'appuie sur R, ça le fait tourner. Très bien. Vous pouvez maintenant placer ces bâtiments comme vous le souhaitez en utilisant clic gauche. Ah, attendez, parce que du coup, moi, je veux redéplacer un petit peu ma caméra. Le contrôle de caméra est chelou en fait. On peut la tourner, mais on peut pas la faire glisser quoi. C'est un peu étrange comme concept, mais je vois. Alors, vous pouvez placer ces bâtiments comme vous le souhaitez en utilisant le clic gauche. Placez 5 bâtiments supplémentaires, d'accord. Maison portative. Bah vas-y, on va lui mettre des bureaux à domicile en plus.
Ok. On va se faire une petite cour par là, là, on est d'accord? C'est mignon, là. Ok. Ça, c'est sympa pour l'instant. Et on doit placer deux autres bâtiments. Bah, vas-y, on va en placer un là. Pardon, trois autres bâtiments. Ah oui, il faut qu'on place tout, en fait. D'accord, j'ai compris. Un là. Ah oui, mais du coup, là, j'ai pas du tout... J'ai pas du tout optimisé, quoi. C'est pas grave, c'est le tuto. Lorsque votre population atteint un certain jalon, vous obtiendrez des usines. Afin que vous puissiez continuer à développer votre ville. Alors, maison-usine. Il générera une maison jusqu'à ce qu'elle s'écroule, jusqu'à ce qu'il s'écroule. Quoi ? Usine d'exigence. Il générera des bâtiments nécessaires jusqu'à ce qu'il se vide. Usine de soutien. Une usine qui génère des bâtiments de soutien. Je comprends rien. Ok, c'est pas grave. Chaque usine vous donne des bâtiments de son propre type. Vous pouvez pas passer le tour sans placer tous les bâtiments que vous avez. Ah, c'est un truc en tour par tour, apparemment. Ok. Ok, alors placer trois bâtiments. Maison-usine. Oh, bordel. C'est une usine à maison, en fait. C'est pas une maison-usine, c'est une usine à maison. Donc ça, ça va me créer des maisons, en fait. Ah, et chaque tour, ça va me donner de la ressource. D'accord, usine de soutien. Je peux la caler ici, apparemment. Ah, pourquoi est-ce qu'elle dépasse... Ah, il y a un petit bout de plateforme là que j'avais pas vu. Ah, ok. Les contrôles de la caméra sont un peu compliqués quand même, hein, si je puis me permettre. J'aurais aimé une caméra moins... Oserais-je dire moins emmerdante? Oui, je vous finalement. Lorsque vous placez chacun de vos bâtiments, vous pouvez passer le tour en appuyant sur espace ou en cliquant sur le bouton en bas à droite. Sautez le virage. Non, sautez le virage. Sautez le virage. Lorsque vous placez chacun de vos bâtiments en appuyant sur espace, machin. Ok, chaque bâtiment, chaque usine vous donne des bâtiments de son propre type. Bon, la traduction est pas incroyable hein, quand même par contre. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est un petit studio indé. Alors, guillotine. Chaque usine vous donne des bâtiments de son propre type. Ok. Alors, ça c'est quoi? Réservoir de gaz fournit le besoin de gaz dans sa gamme. Grande maison, j'ai entendu dire qu'il y avait une fête à l'intérieur. Soutien, vous ne pouvez pas enfreindre les règles de la physique si vous les avez écrites. Ce sont les besoins de votre bâtiment. Pour que vos employés soient heureux, vous devez répondre à ces besoins. Comment ça, employés? Comment ça, employés? Eh bien, ils sont plutôt en colère en ce moment car leurs besoins ne sont pas fournis. Si vous ne pouvez pas rendre votre peuple heureux, vous serez expulsé. Ah, et enfin, parfois les gens meurent. Vous ne pouvez pas rendre les morts heureux. Les bâtiments répondent aux besoins. Certains bâtiments peuvent avoir leur propre situation. Les situations sont généralement très importantes et nécessitent de la concentration. Lisez l'avertissement en passant votre souris dessus. Putain. Danger explosif. Ah oui, d'accord. Ce bâtiment peut exploser au contact de bâtiments enflammés comme l'électricité. Ok. Solide. Ces bâtiments ne peuvent pas être détruits. Et lui, c'est juste une grande maison. D'accord. Donc là, lui, il faut pas le foutre à côté d'un truc explosif. Un truc... Ok. Alors attendez, du coup, on va aller se positionner là-bas. Je pense qu'on va aller le positionner là-bas. Ok. Ah, j'aurais pu apporter plus d'électricité en le mettant dans le coin là-bas. Ok, grande maison. La grande maison, ça va être chiant. Ah putain, mais je suis en train de complètement les entasser, mes trucs, là. Ah oui, donc eux, ils ont des besoins en eau et des besoins d'accord. Donc moi, j'avais couvert les besoins. Attendez. Par contre, c'est chiant, ça. Hein. Ah oui, d'accord, la caméra, c'est tellement compliqué. Et soutien, c'est quoi, ça, du coup? Ah, ça sert à construire une plateforme qui va agrandir mon espace. Ok, shift pour accélérer les animations. Mais eux, ils ont pas d'électricité, ils ont pas d'eau et ils ont pas de verre, je sais pas ce que c'est. Sauter le virage, accélérer. Ok, je saute le virage. D'accord, sauter le virage, c'est parti. Donc là, c'est la nuit. C'est ça. Contrôle pour utiliser les caméras de bas en haut. Ah oui, voilà. C'est particulier comme contrôle quand même. Ok. Alors, parc fournit le besoin
de nature dans sa gamme. Toi, vous ne pouvez pas placer, vous ne pouvez placer aucun objet au sommet de ce bâtiment. Bureau à domicile, une belle œuvre d'art, d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'il me fournit lui? Il me fournit du verre là? Ah c'est ça, il fournit du verre. Donc pour lui, c'est cool. Genre pour lui, c'est cool quoi. Ah oui, sauf que du coup, je peux rien poser là-dessus. Ah, j'ai fait une petite cour, mais je peux rien poser au-dessus, d'accord. Et alors là, je peux... Ah mais on peut les empiler de ouf! Waouh, on peut les empiler. Genre là, hop, une maison par-dessus ces trucs-là. Parfait, vous devrez faire des choix lorsque votre population franchira certaines étapes. Genre là, j'ai bouché les cheminées, quoi. Ok. Alors. Laissez passer le tour, même s'il vous reste encore une pile de bâtiments en les détruisant. Isoler, conserve les bâtiments plutôt que de les détruire. La population des bâtiments sous les bâtiments toits augmente de 25, 50, 75. Ok, parfois vous sélectionnerez une usine d'action avec des bâtiments risqués. C'est très compliqué à comprendre ce qui se dit tout ça là. C'est extrêmement compliqué à comprendre. Vas-y, je vais augmenter la population sous mes toits. Et parfois un bâtiment spécial, vraiment unique et rare. Les bâtiments d'action peuvent vous donner de grands avantages si vous l'utilisez correctement. Mais ils peuvent aussi vous apporter votre destin aussi. Votre perte, j'imagine, hein, du coup. Les bâtiments spéciaux, en revanche, sont des bâtiments vraiment puissants. Certains peuvent même modifier le fonctionnement du jeu. Ok. Allez, sélectionnez maintenant. Sélectionnez maintenant, sélectionnez une carte. Donc est-ce que je laisse passer le tour même s'il me reste encore des bâtiments ou est-ce que j'augmente la population sous mes toits? Vas-y, j'augmente la population sous les toits. Sélectionnez une carte, contient 3. Quoi? Casino. Génère un bâtiment qui peut maudire ou bénir votre journée lorsqu'il est joué. Ah merde. J'ai que des casinos là? Bon bah let's go hein. Placez les bâtiments 4. Télescope spécial, la population sous les bâtiments, sous les toits augmente de 25. Ah, donc c'est bien d'avoir un toit, ok. Ah oui, parce qu'il faut augmenter notre population, c'est ça le jeu en fait. Ah mais lui c'est un toit, d'accord, ok. Lui c'est un toit, d'accord. Donc là par exemple, je vais mettre là. Attends, par contre il faut que tu me montres où est-ce que t'es tourné le télescope là. Genre là, hop, c'est un toit. Donc là, je pourrais rien construire par-dessus ça, parce que j'ai mis mon télescope. D'accord. Maison-usine générera une usine d'action. Bombe de bâtiment unique et risquée. Cette fabrique va générer 3 casinos. Ah, je peux voir ce qu'elle génère, d'accord. Et ça, c'est quoi ça? Usine de soutien. Génère des bâtiments de soutien. Bah, c'est parti, hein. On va mettre une usine à casino, là. J'ai l'impression que j'ai le droit de gratter. Regardez, j'ai le droit de gratter un truc sur le bord en fait. Je ne le savais pas, mais j'ai le droit de le faire. Maison-usine. Attends, et par contre, ils disent jusqu'à ce que le bâtiment s'écroule, il va se passer quoi quand le bâtiment va s'écrouler? Il va s'écrouler naturellement ou est-ce qu'il va s'écrouler parce que je vais le décider? Ok, donc là j'ai généré des usines à fond et en fait j'ai rempli mon truc quoi. Toutes nos félicitations, maintenant que vous êtes prêts à construire votre propre île. Je vous souhaite des jours sans explosion. Putain, qu'est-ce que c'est que ce tuto? Ok. Bon et bah c'est parti. Par contre le jeu va faire cramer ma carte graphique, on est d'accord? Y a pas de limite de FPS sur ce truc là. Vous pouvez pas ça c'est vraiment une option. Ah mais si, 75 Hz, d'accord. D'accord, pardon. Tiens, 1920 par 1080, 60 Hz. Salut Galacta, comment tu vas? Voilà. Allez, c'est parti. Oh putain, mais... Rectland, point d'interrogation. J'ai que Rectland. Mode de jeu régulier, bac à sable, régulier, bac à sable. L'île s'appelle... Chutopia. Pas Land. Bon bah Chuland alors. Chutopia Land, vas-y, c'est pas mal. Normal comme d'hab. Parfait. Les citoyens sont appelés les indécis. Évidemment. Voilà. C'est parti. Ok. Alors. On y va. On y est. Début de notre île, Chutopia. Comment ça, Chutopia Area? Bon, l'ambiance est super en vrai. Hein. L'ambiance est insane.
Alors, ah oui, mais pourquoi est-ce que j'ai pas le... la jauge des citoyens là? Contrôle. Accélérer le temps, shift, tour suivant, E. Pardon, bâtiment suivant, E. Bâtiment précédent, Q. Mode d'inspection. Sélectionner, placer le bâtiment, faire pivoter, glisser la caméra. J'ai pas un truc pour faire apparaître les bâtiments, les machins. Ok, maison sans jardin, maison small. Maison portative, les gens sont petits. Alors on en a entassé 12 à l'intérieur. Alors attends, quelle taille ça, ce machin? Ok. Ça, c'est un carré. Ok. Regardez, on peut dépasser de ouf, c'est trop bizarre en vrai. Salut Esten, comment tu vas? Vous avez vu, c'est trop drôle, on peut dépasser de ouf. Ok, bon, bah c'est parti. Alors j'imagine qu'à un moment, on va finir par comprendre d'où viennent les besoins des différentes maisons aussi. Là, ce que j'ai envie de faire du coup par rapport à l'expérience que j'ai appris dans le tuto, c'est de faire une maison en angle et de mettre un générateur ici. Ah oui, et là, la population va atteindre 200. Comment est-ce que je sais les personnes qu'il y a dans une maison en fait? J'aimerais bien savoir moi. Maison small, ça m'intéresse pas. Maison portative, ça a quelle taille? Ça a cette taille-là. Et donc là, on me donne 3 bâtiments à placer. 4 sur 0 espace. Vous avez besoin d'utiliser 4. 4 cartes de plus pour pouvoir sauter le tour. Ah, parce que j'ai pas le droit de sauter le tour sans. D'accord, donc eux ils ont besoin de brûler. Maison usine. Générer une maison jusqu'à ce qu'il s'écroule. Vas-y, je les fous là, les usines, on s'en fout. Non, elles ont zéro besoin, les usines. Usines de soutien. Elles ont zéro besoin, les usines. Usines d'exigence. Alors, attendez. Je peux déjà commencer à les empiler, hein, les usines, hein, j'ai le droit. Hein. Oh, il y a une baleine. Il y a une Elle va toucher la berque. Attendez. Parce que du coup, j'ai besoin de placer ces bâtiments, apparemment. Désolé, je galère beaucoup, les contrôles sont pas très évidents. Et du coup, lui, on va le mettre là. Voilà, donc là, ça a besoin de chauffage. Là, ça a besoin d'électricité, donc vraiment, il faudrait foutre une centrale électrique au milieu, quoi. Ok. C'est mignon tout ça, dites-moi. Pet the Good Whale, ah, est-ce qu'on peut? Mais oui, on peut! Pet the Good Whale, incroyable! Par contre, on avait dit no backseat à l'Esten, du coup. Fait des dingueries, la baleine! Elle change de couleur quand on la pète. Putain, je peux plus la pète. Putain. Ok. C'est parti. Non mais c'est pas grave, un hein, ban pour backseat, hein, Alistair, hein, c'est pas énorme. Hein. C'est pas très très grave. Hein. Réservoir d'eau fournit de l'eau. Fournit le besoin d'eau de sa gamme. Ok. Soutien, vous ne pouvez pas enfreindre les règles. Ah oui, ça c'est bon, ça je connais ça. Ça, je connais ça. Et bureau à domicile, une belle œuvre d'art. Donc, on va compléter notre cours finalement. Alors, attendez, faut vraiment que je prenne le contrôle de la caméra là. Le problème, c'est que si je fais ça, je sais pas si je pourrais mettre un bâtiment à l'intérieur, quoi. Notamment. Faut plutôt faire comme ça. Comment ça, fuite? Ah, oui, non, voilà, ça fournit de l'eau, ça. Et là, j'ai pas le droit parce qu'il y a une bite? Non mais vraiment? Je me suis baisé là non? Bon bah c'est parti ici. Voilà, on couvre les besoins en eau de certaines personnes, donc ça c'est cool. Et ça c'est un soutien, donc les soutiens c'est vraiment des plateformes qu'on va foutre en hauteur pour étendre la ville dans un coin, donc on va l'étendre par là-bas. J'imagine. Bah zut. Bah zut, bah merde, bon bah voilà hein. Dommage, si jeune est déjà si banni. Ok, c'est parti. Donc pour l'instant, c'est vraiment très mignon. On n'a pas d'objectif de. Ah, attendez! Ah! Ah! Merde, quoi? Le temps passe aussi? Sera généré. Attendez, je comprends pas. Il y a des trucs à regarder. Il y a des statistiques à regarder, apparemment. Parc. C'est un toit, le parc, mais on connaît ça. Ça, c'est bien, ça. C'est bon, là, vous êtes plus heureux normalement. Et un bureau à domicile.
Bah... Ouais, le problème c'est qu'il y a toujours 200 une personne triste quoi. Il y a zéro mort mais... Il y a toujours 200 une personne triste, il me faudrait une centrale électrique quoi. Alors, réservoir de gaz. Il va fournir en feu et il est explosif, peut exploser au contact de bâtiments enflammés comme de l'électricité. Donc lui c'est pas grave, on va le foutre là. Voilà. Ça couvre les besoins de ma population, c'est chouette. Et là on a une maison portative. Petite maison qu'on va finalement voilà, utiliser pour entourer le reste. Et du coup il me faudra de l'électricité dans le coin, par là. Je pense qu'on va faire notre premier oups bientôt là. Hein. En tout cas les gens sont globalement heureux. Niveau critique de bonheur 20%. Ah mais ça va! Et là de l'électricité, mais du coup le problème c'est qu'il faut pas que ce soit au contact. Et là le problème c'est que j'alimente pas tout le monde du coup. C'est compliqué, j'alimente pas tout le monde. Je peux pas alimenter tout le monde parce que j'ai ce foutu toit de ces morts. J'ai ce foutu toit de ces morts. On va le mettre là, hein. Yeah! Je suis un génie, putain! J'ai tout niqué! Il m'avait dit pas au contact en plus, Abrutix. Ah là 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 là. Mais je savais pas ce que c'était au contact ou pas! Mais je me suis trompé! Ça va, c'est une erreur! Écoutez, c'est pas grave, on va recommencer, on va recommencer. Bah bravo! Mais je savais pas ce que c'était au contact, là, ça faisait une diagonale. J'étais en mode, c'est bon! Ça va être difficile du coup, maison sans jardin, attendez. En vrai, ça va être difficile. 162 morts. Et du coup, quelles sont les conséquences, ça? Parce que là, bon. Là, pour le coup, bonheur 0%, quoi. Du coup, qu'est-ce que c'est le... Pourquoi j'ai plus de trucs de soutien, ta race? Genre là, j'ai vraiment que des citoyens mécontents, quoi. Ah, 200, il se passe un truc, non? À 200, j'ai un... Non? Pourquoi mes usines elles sont foutues? J'ai déjà domaine ma game? Est-ce que ma game est déjà domaine? Pourquoi est-ce que ça me donne rien? Mais pourquoi mes usines elles sont cassées? Pourquoi mes usines elles sont cassées? Ah bah voilà, merci, il était temps, putain. Grande maison, j'ai entendu dire qu'il y avait une fête à l'intérieur. Alors, du feu. Donc là, le feu, on va le mettre par là plutôt, parce qu'il n'y a qu'une maison qu'on a besoin. Et elle est ici. Ok, on a 6 citoyens heureux, très bien. Mais qu'est-ce que ça fait niveau critique de bonheur? À quoi ça sert? Allez, rendez-moi des trucs là. Crise sociale! Le terrain a duré 10 jours, crise sociale! 504 indécis ont vécu. Et bah, pas mal, retour au menu. Ok, plan de la ville, qu'est-ce que c'est du coup? Casino, soutien, horloger. Bah oui, mais j'ai même pas de quoi acheter un truc de... D'accord, donc ça c'est l'élément roguelite du jeu, d'accord, ok. Worst mayor ever, j'ai généreux. Bon, alors. Calmez-vous. On va l'appeler île flottante. C'était le mauvais nom. Par contre, il n'y a pas assez de place, c'est ça? Île flottante. Ok. Et c'est les indécis, du coup. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, les viewers, rassurez-vous. Cette fois-ci, vous allez passer un bon moment. Rassurez-vous, cette fois-ci, vous allez passer un bon moment. D'accord? D'accord? Cette fois-ci, on va y arriver. Cette fois-ci, on va y arriver. Donc c'est ça, il y a une petite dimension roguelite dans le tas aussi. Île flottante. Area. C'est parti. Alors, on va, rassurez-vous, on va y arriver. On commence par une maison portative. Ah oui, ça marque le nombre d'habitants que ça va mettre. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris.
Les viewers, je vous ai compris. D'accord? Ok, cette fois-ci, j'ai compris, les viewers. Donc là, il y aura besoin de feu et d'eau. D'accord. Ah, mais on sait pas ce... On sait pas ce... Je me positionne dessus. On ne sait pas ce dont les maisons ont besoin avant de les avoir posées, en fait. L'avantage, c'est que vous avez besoin d'eau, apparemment. Non, mais rassurez-vous. Là, rassurez-vous, cette fois-ci, je vous fais survivre. La vie de moi, cette fois-ci, faut survivre. Regardez, regardez. Tout va bien, tout va bien. Alors, maison d'usine. Donc ça, on s'en fout. On sait qu'on peut les mettre dans un coin parce qu'ils ont besoin de rien, eux. Donc, coin opposé. J'ai l'impression que c'est un peu ça, la méta. Enfin, bon. C'est la sécheresse aussi. Non mais attends, 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 ça arrive Galacta, ça arrive, ça arrive. Je sens que t'es très pessimiste par rapport à ce que je suis en train de faire. Rassure-toi, ça arrive fort. Usine de soutien. Cette fois-ci, je les mets toutes alignées comme ça. Je pense que tout à l'heure, c'était une mauvaise gestion de... Voilà. Ok. Et ce bâtard, il a besoin d'électricité là. C'est qui? C'est qui les trois connards qui habitent dans cette maison là? Je veux leur nom là. C'est qui les trois qui... C'est qui les trois connards qui habitent dans cette maison là? Putain. Je te jure, c'est qui? Ok, de l'eau, réservoir d'eau. Bonne nouvelle. On va le mettre là. Comment ça? J'ai pas lu, réservoir d'eau, il y avait un symbole, il faut le mettre au rez-de-chaussée. Allez, je suis un génie. C'est pas grave les viewers, c'est pas grave, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Non mais c'est parce que je pouvais pas savoir moi que les réservoirs d'eau c'était lourd et que ça écrasait les gens qui vivent dessous. Ah là là, mais vous me jugez là? C'est bon, rassurez-vous, ça arrive fort. Rassurez-vous, ça arrive fort. Attendez, attendez, attendez. Électricité, bah ça tombe bien, y a qu'un seul mec qui a besoin d'électricité, voilà, super. Voilà. On va le mettre bien au milieu, comme ça, dès qu'il y a quelqu'un alimenté, il est... Regardez, il y a trois indécis heureux. Voilà. Super. Super nouvelle, non? Alors, j'ai pas le droit de construire là-dessous, par contre? Les constructions, j'ai pas... Ça, là, je peux pas construire dessous. Alors attendez. Non mais je vous ai dit que ça arrivait fort. Est-ce que je vous ai déjà menti une seule fois les viewers? Regardez, 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 on y est déjà quasiment. On y est déjà quasiment. Allez, bientôt, bientôt vous êtes heureux. Donc explosif. Donc ça, on sait qu'il faut pas le mettre à côté, d'accord? Mais on va quand même essayer de le mettre... Voilà, donc ça c'est marqué quand c'est à côté, d'accord? On a compris que ça c'était marqué quand c'était à côté. Là c'est à côté, là ça va exploser. Là ça va exploser. Ah oui, c'est le deuxième cercle, d'accord, ok. Donc là c'est bon, c'est pas à côté, y a pas explosion là. C'est bon, j'ai compris, je suis un mec intelligent, regardez, j'ai compris. Mais par contre ça sert à quoi du coup le... En fait il fallait surtout pas le mettre au milieu ce machin là. J'ai fait une grosse connerie en la mettant au milieu cette plateforme. Il faut absolument la mettre sur le côté en fait. Voilà, ça y est. Vous êtes presque plus sous le niveau du bonheur critique. Et hop là, vous avez de la verdure. Donc qui veut un toit là? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut mettre un toit et où on est tranquille hein? Je galère avec la caméra encore hein. Mais rassurez-vous, ça arrive fort. Est-ce que je vous ai déjà menti une seule fois ou pas les viewers? Je crois pas. Là j'ai pas le droit. Là j'ai le droit. Allez bah eux ils sont un peu tristes. Malheureusement. C'est pas grave. Ok. Bon vous il vous faut de l'eau apparemment. Bon alors l'eau on sait hein. L'eau on sait comment ça marche. Mais vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Regardez. Regardez. Il y a 31% d'entre vous qui sont heureux. C'est un chiffre incroyable. Est-ce que quelqu'un a seulement déjà atteint ce chiffre? Comment ça t'es en dehors du chauffage? Oh putain il est en dehors du chauffage. Il y a déjà 45 morts. Non mais alors après, malheureusement, je ne sais pas qui, il y a des gens, ils ont décidé de construire un réservoir d'eau sur leur toit. Je ne sais pas qui c'est.
Je ne sais pas qui sont ces abrutis, mais il y a des gens qui ont fait ça. Écoute, allez Stan, j'y peux rien, moi. Pardon, Galacta. J'y peux rien. Est-ce que j'y peux seulement quelque chose? Je ne crois pas. Bon, là, on rentre dans la phase un peu chiante où j'ai 45 morts alors qu'il, aurait fallu que j'en ai moins. Et les usines vont un peu rien me donner. Bureau à domicile. Alors là, bureau à domicile, on va le placer là-dessus, je pense. Voilà. Donc eux, ils ont vraiment besoin d'eau. Là, là l'eau devient vraiment urgente, quoi. Sinon, le reste, vous êtes bien. Hein. Alors, il me faut du feu. Du feu, c'est pour vous, quoi. Voilà. Voyez? Voyez comme j'occupe bien de vous ou pas? Est-ce que vous vous en rendez compte au moins que j'occupe bien de vous? Regardez comme c'est beau là ce que je suis en train de faire. C'est une œuvre d'art, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux et vous êtes de plus en plus heureux. Bravo. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Complexe d'appartement. Attention, les murs sont fins. Ah putain, c'est un truc en hauteur. Trop drôle. Globalement, toujours besoin d'eau, quoi. On est full asséché, mais tranquille. Non, mais vous êtes heureux quand même. Regardez, vous buvez l'eau de pluie. C'est quand elle veut, l'usine, qu'elle me donne un truc, hein. Ah. Ouais. C'est vraiment quand elle veut qu'elle me donne un truc, l'usine. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que c'est même pas une lenteur liée au fait que je suis trop nul, etc. C'est que l'usine ne me donne pas ce dont j'ai besoin, quoi. Putain, il faudrait que je foute de l'eau au milieu de tout ça. Mais je peux pas. Ok. Ça, c'est des gens heureux, ça. Putain, on est presque à 600. Aïe, aïe, aïe. Par contre, ouais. Le niveau de bonheur critique augmente. Je sens que vous me jugez. Alors, on va mettre un toit ici. Voilà. Mais par contre, du coup, la citerne, en vrai, on est niqué, non? Oh, faut que je mette des trucs immenses, là? Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Île flottante... Oh! Ah oui, d'accord, c'était île flottante Aeria, maintenant c'est île flottante Land, maintenant c'est île flottante Vide... Ville, pardon. Ok. Génère une tour de guet tous les 3 tours. Eh bien, merci. Contient... Casino... 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 J'ai l'impression que je n'ai pas le choix, en fait. Ok. Maison usine, c'est parti. Une usine de maison. Ah, attends, je suis pas obligé de mettre. Ah si, je suis obligé de la mettre, d'accord. Et bah c'est reparti. Un horloger, hop là, il va générer des tours de guet. Et une usine d'action, donc c'est parti. Voilà, mais ça va être le bordel mon truc là un peu, non? On a tous ces gens qui ont soif. Pourquoi est-ce que ça ne me donne pas de putain de trucs pour avoir de l'eau? Pourquoi est-ce que je peux pas avoir de l'eau? Regardez, en plus le pire c'est que l'eau, il va falloir que je la mette là. Puis alors vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à être tristes, quoi. Si seulement j'avais de l'eau. Canicule sur Chouville, mais c'est même pas une canicule là, c'est juste qu'il manque un réservoir d'eau, quoi. On m'a donné un réservoir d'eau et je pense que le jeu, depuis le début, il est en train de considérer que j'ai ce qu'il faut, quoi. Un casino, une tour de guet. Alors, ça sert à quoi, ça? Détruit le dernier bâtiment placé et en donne une copie. Quoi? Je comprends pas. Quoi? Quoi? Je comprends rien, je comprends rien, je comprends rien ce qui est en train de se passer. Moai ne fait rien d'autre qu'être toujours là pour vous, solide. Je comprends pas ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de le faire. J'ai fait un truc, les viewers, je ne sais pas ce que je fais. Au secours. En fait, je crois que je suis en train de très mal me démerder. Parce que je pense que je suis en train de faire un truc en cours. Et là, vous voyez, je peux plus accéder au centre. Et malheureusement, ça y est, vous êtes en train de... Vous n'avez pas d'eau, donc vous êtes en train de péter un plomb. Chose qui se comprend, hein, ceci dit, hein. Là, globalement, bing bing, quoi. Bing bang.
Mais ça va jamais tenir. De l'électricité, comme si j'en avais besoin, tiens. Vas-y, je vais tout faire péter. Je peux la mettre là, hein, j'ai le droit. Mais jamais ça tiendra, cette merde. Alors ça génère des trucs super beaux, hein. Mais putain, donnez-moi de l'eau, quoi. Oh, au secours. Pitié, soyez heureux. Ça fait rien du tout. Un deuxième moai. Bang bang apparemment. Ah, la tour de guet me permet de replacer les choses. D'accord, ok. Ok, j'ai compris. J'ai compris l'intérêt stratégique de la tour de guet. Mais là c'est le bordel là. En fait je pense que j'ai fait une erreur stratégique qui a été de positionner les trucs en cercle. Alors que je pense qu'il faut les positionner pas comme ça. Mais le jeu ne veut pas me donner de l'eau, hein. Vraiment, vous allez crever la bouche ouverte, hein, les viewers. Hein. Le jeu a vraiment décrété que vous alliez crever la bouche ouverte. Hein. Ouais, voilà, bon. Le terrain a duré, crise sociale à nouveau. Alors que pourtant, cette île était si bien. On a juste fait une erreur à un moment. C'est pas grave. On va la refaire. Mais cette fois-ci, j'ai 170 trucs. Alors, stockage. Donne une exigence aléatoire et génère 3 toits en briques. Mécanicien, lorsqu'elle est placée, chaque usine en contact donne 5 bâtiments d'elle-même et est drainée. Donne 2 de plus de lui-même lorsqu'il est détruit, le taudis. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les usines, elles peuvent être drainées? Stockage, vas-y, faisons le stockage. C'est ce qui a l'air le moins relou. Génère une prison pour chaque bâtiment joué ce tour-ci. Mais je comprends pas. Qu'est-ce que je suis en train de débloquer là? J'ai pas débloqué les modes chelous quoi. Par contre, il faut que je retape à chaque fois les trucs, quoi. Ok, bon, on va y arriver. À côté d'un générateur, elle donne 5. Je ne comprends pas. Non, les usines, c'est les trucs qui génèrent les bâtiments. Mais je comprends pas le principe de drainer, en fait. Je comprends pas le principe de drainer, en fait. Parce que ça n'a jamais été expliqué, ça, le principe que les usines pouvaient être drainées. Donc attendez, on va essayer d'appliquer une île flottante, c'est ton niveau. Salut Serud, comment tu vas? Eh oui. Donc attendez, là on a appris que... il fallait pas trop mettre les trucs... Ah putain, ils ont besoin d'électricité. Ils ont pas besoin d'eau les bâtards. Si, ça y est, ça a besoin d'eau. Ok. On a appris qu'il fallait pas mettre les trucs en... Ok. Il fallait prévoir de la place pour un réservoir d'eau au milieu, quoi. Voilà, ça y est. Donc les usines. Alors, une usine à maison. Je vais avoir les construire les usines, ça va être terrible. Ok. Ok, ok. Comment tu vas, Serud, ce soir? Il faut de l'électricité apparemment. Usine d'exigence. Donc celle-là, c'est celle qui est censée me générer les merdouilles dont je vais avoir besoin. Et ça, c'est une usine à je sais pas quoi. Ça va, ça va. Pour l'instant, vous êtes triste. À mon contact apparemment. Voilà, donc là, regardez, fuite. Ce bâtiment détruira ce qui se trouve en dessous au prochain tour, à l'exception du même bâtiment ou des bâtiments solides. Donc ça, par exemple, c'est solide. Donc si je veux un réservoir d'eau en hauteur, il faut que je mette ça. Mais par contre... Donc il faut forcément un bâtiment de type fuite. En dessous, tout en bas.
Et en gros, on peut faire une espèce de colonne d'eau, quoi. Vous voyez? Paf. Donc là, vous êtes heureux. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça a l'air sympa ton jeu, ça me fait penser un peu à Mini Metro qui est genre du chill qui me plaît. Bien écoute, oui, voilà. Après, on est sur un jeu. Alors attendez, c'était quoi la vue de dessus déjà? Contrôle? Ouais, c'est ça. Ok. Et donc là, en fait, le soutien, je peux le mettre là, quoi. Pour étendre à partir de là-bas. Et voilà, donc en fait, je peux augmenter la taille de ma plateforme. D'accord, mais ça m'intéresse pas beaucoup le soutien, quoi, pour l'instant. Sauf si j'ai envie de mettre un truc solide. Alors, réservoir de gaz. Explosif, mais là, pour l'instant, on s'en bat les steaks, quoi. Ce qui compte, c'est d'alimenter ces deux maisons-là. On va essayer de le mettre un peu plus au milieu. Ah non, mais ça, j'ai pas envie de le faire, par contre. Il faut que je garde de l'espace libre pour la colonne d'eau. Oui, mais il faut aussi que je pense à garder de l'espace pour l'électricité. Donc, on va le mettre par là, je pense. Et du coup, mais ce qui fait chier, c'est que du coup, je sais pas ce que les bâtiments vont consommer avant de placer mes trucs, quoi. Genre, par exemple, là, je vais mettre un bâtiment ici. Mais je sais pas avant s'il va consommer du feu ou de l'électricité. Bon, l'avantage, c'est que je pourrais mettre un réservoir électrique ici, quoi. Voilà, donc là j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut construire notre truc. Voyez? Là on couvre tout le monde en électricité. Merveilleux, vous êtes tous heureux. Comment ça, il y a 13 personnes tristes? Ah oh, putain, il lui faut un toit. Lui, monsieur là. Les 13 connards qui vivent dans ce petit bâtiment, il leur faut un toit. Écoutez, vous faire foutre. C'est ce que j'ai à vous dire. Pas là pour être sympa. Ah putain, et lui, il lui faut du feu. Eh bien, on va attendre. Donc là, le toit, je pourrais rien placer par-dessus. Faut que je m'en souvienne. Ça m'a l'air pas mal. Petite oasis au milieu. Et du coup là, celui-là, on va le linker comme ça. Lui, il a de l'eau, c'est bon, il est content. Ok. Ok, ça se passe pas mal. Il manque plus que lui qui a besoin d'un truc un peu enflammé, quoi. Ah, et donc là, on rentre dans la phase où je ne sais pas pour quelle raison. Mais le jeu arrête de me donner finalement des usines et me donne que des maisons, quoi. Attends, mais je croyais que je pouvais pas construire sous le toit, je comprends plus là. Je croyais que je ne pouvais pas construire sous un toit. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Et lui, il est juste pas à portée du truc de feu. Ok. Ah, je confirme, on est vraiment dans le scénario où le jeu arrête de me donner... Arrête de me donner des usines, quoi. Pourquoi ne pas pouvoir construire sous un toit? Bah ouais, mais écoute, c'est comme ça. C'est le fonctionnement du jeu. C'est très con, mais c'est le fonctionnement du jeu. Maison portative. Donc là, c'est pareil, hein, on va construire autour de notre citerne. Là, on a compris que la citerne, c'était bien le truc le plus important du monde. On va se faire une putain de colonne d'eau de ouf. Alors après, c'est vrai que ce jeu, par contre, est du coup très relaxant. C'est contrôle la vue de dessus. Faut qu'on laisse la place à notre citerne. Donc ici, en fait. Voilà. Un peu con de pas avoir la citerne en premier, justement. Ça y est. Ok. Donc là, on sait qu'on veut la citerne ici, hein. Ah, est-ce qu'on veut la citerne ici ou est-ce qu'on voudrait la citerne un peu plus haut? Le problème, c'est que la fuite, ça va tout péter, quoi. On le sait, ça va tout péter, sauf si c'est sur un bâtiment solide. Mais là, les bâtiments en dessous sont pas marqués comme solides. Voilà, ils vont péter, là.
Le problème c'est que je suis obligé de positionner mes bâtiments quoi. Donc soit je mets la citerne ici et je dis fuck it, je vais pouvoir construire des bâtiments par là-bas. Ah ouais, donc en fait ça a un intérêt de mettre ces plateformes au milieu là. Je comprends maintenant. Je comprends, je vais mettre une citerne là pour l'instant, ok. Pour voir qu'on se pouvoir agrandir dans le coin là. Voilà. Ok. Et comme ça ici on pourra aller foutre du feu là. Ah, ok, par contre je sais pas pourquoi est-ce que le bonheur à tenir continue d'augmenter, ça me pète un peu les burnes. Le complexe d'appartement il est en hauteur, c'est parfait, c'est des tours qui rattrapent le reste du niveau. Il y a toujours ces 33 personnes tristes. Toujours les complexes d'appartements qu'on va rajouter du coup hein. Île flottante land, ça y est. Ah non, île flottante ville. Ah oui, parce qu'on a atteint 600 personnes, d'accord, ça y est. Et donc là, ça me donne une tour de guet. Mais... Ah, alors attendez. Contient deux casinos et un... Ah non, deux stockages et un casino. Ah oui, vas-y. Ah oui, d'accord, ça va débloquer des choses au fur et à mesure, ça. Maison usine. Alors, attends. Horloger, génère une tour de guet tous les 3 tours. Je suis obligé de le placer. Maison usine. Non mais maison usine, ça va être l'enfer, ça. Il va y avoir de... En fait, le jeu accélère à un moment, quoi. Deux casinos et un stockage. En fait, le jeu accélère à un moment, quoi. Mais ça, j'en ai besoin parce que ça fournit... Il y a de l'eau ici, là. Je vais le mettre plutôt loin, là. Voilà, là où il n'y a rien. Ok. Vas-y. Alors. Et ouais, voilà. Et là, ça me génère deux maisons, là. Donc, on va commencer à mettre des maisons ici, vous voyez. Là où elles peuvent choper l'eau. Ah, putain, il lui faut un toit, évidemment. Évidemment, il lui faut un toit. Évidemment, il lui faut un toit, ce bâtard. Il est pas comme tout le monde, monsieur, il veut un toit. Il n'y a pas d'électricité ici. Elle est où ma centrale? Elle est là, putain. Et pourquoi le bonheur à garantir augmente au jour le jour là, hein? J'en ai marre de ça. Pourquoi n'êtes-vous jamais satisfait? Pourquoi n'êtes-vous jamais satisfait, les viewers? Pourquoi n'êtes-vous jamais heureux? Il atteint pas l'électricité là. Faut qu'on mette un complexe électrique par là à peu près. Et un truc de feu là-bas. Ce qui me saoule c'est que par contre voilà merci. Ça met vraiment du temps à arriver ces trucs là hein. Ça met vraiment vraiment du temps à arriver quoi. Le problème c'est que du coup il faut de l'électricité ici. Mais ça va péter si je fais ça. Ça va péter si je fais ça. On va le mettre là j'imagine. Ok. Et donc ça c'est quoi? Donne une exigence aléatoire et génère 3 en briques. Ok, donc ça c'est un générateur finalement aussi hein. Donc on va le mettre dans un coin bien isolé, genre là. Voilà. Alors. Ah nice! Ah oui d'accord, ok. Une exigence aléatoire c'est ça les exigences, ok d'accord. Alors j'ai un générateur là. On va en mettre un ici j'imagine. Et des toits en briques. Un toit normal. Et je suis obligé de les placer? Non, 1, 2, 3, 4. D'accord, ok. Je vais être obligé d'en placer un. D'accord, je comprends. Donc on va jouer avec une contrainte en plus, quoi, finalement. Ok, un générateur ici, j'imagine. Donc là, on va mettre une... On va mettre les bâtiments autour de ce générateur, en fait. Bah, évidemment, lui, il a besoin d'un truc comme ça. Sa race... Ok, ah oui là j'ai mon toit donc je peux pas placer mon truc ici. Par contre je peux le mettre là. C'est tout poupi. Et ça, ça me saoule de devoir le placer là. Et là je suis obligé de placer un toit.
de toi. Et bah ça saoule. Les endroits où j'ai pas besoin de. J'ai pas besoin de trucs là. Hein. Ici là, on est d'accord? Ah non mais j'ai besoin de tous les placer, d'accord, ok. Donc je vais bien me faire voir là. Ok. Salut Gerder, comment tu vas? Est-ce que je peux le mettre là-dessus? Non, je peux pas. Les toits, c'est chiant. Hein. Les toits, c'est vraiment très très chiant. C'est un handicap, du coup, en fait. Je pense que je me suis handicapé plus qu'autre chose en les rassemblant pas, mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, pourquoi est-ce que ça n'arrête pas d'augmenter? Genre, vous êtes juste jamais satisfait, quoi. Il faut vraiment une source de feu, genre, là, quoi. Le problème, c'est qu'il y a ce putain de générateur électrique qui va exploser si je fais ça. Au-dessus de celui qui demande du verre. Non, non, celui qui demande du verre, il demande un toit. Il demande un toit verdureux. C'est bien ça, le problème. C'est qu'il veut pas n'importe quel toit. Il veut un toit bien, quoi. Non, mais là, ils veulent tous du feu, là. Un casino. Je vais jouer deux fois le casino, on est d'accord? Je ne peux pas le mettre en bas, il n'y a pas assez de place. On va le mettre loin de tout, le casino. On peut pas. Comment ça, il a pas d'eau, lui? Non, mais la putain de ta race, il a pas d'eau. Pourquoi t'as pas d'eau? Pourquoi il faut de l'eau à ce truc-là? Haha! J'ai détruit la tour de guet. Lui aussi, il lui faut de l'eau, du coup. Il me faut de l'eau! Mon corps est en pleine croissance! Il est pas dans la OE. Putain, mais le seum, quoi. C'est les... c'est l'un des reproches que j'ai à faire à ce jeu. En même temps, je pense que c'est un truc qui est pas facile à faire de leur côté. C'est la gestion de... la gestion de la caméra. Et du coup, j'ai deux Moai, quoi. Incroyable, je sais pas à quoi ça sert, mais ils sont là. Pourquoi il y a 145 morts? Pourquoi le jeu continue de donner des maisons alors que de manière évidente, vous avez besoin d'énergie et de conneries comme ça, quoi? Genre vraiment, les usines, elles font quoi? Ça y est. Voilà. Je sais même plus où sont mes trucs d'électricité, etc. Hein. Ah, et du coup, c'est pas bénéfique ces machins là. C'est même plutôt chiant, en fait, ces stockages-là. On aimerait ne jamais les piocher. Ok, ça me donne de l'électricité. J'en ai pas besoin, d'électricité, on est d'accord? Ça saoule. Donc, en plus de ça, c'est inflammable, donc je vais tout péter, là. Là, j'ai besoin d'un truc qui brûle, ici. Donc, mon électricité... j'ai déjà un générateur là, j'ai déjà un générateur là. Mettons-le ici. Et du coup, je vais être obligé de placer ces putains de toits de merde, là.
J'en peux plus, je vous jure. J'ai vraiment besoin d'un brûleur là, là, en fait. Et là. De deux brûleurs, en fait, hein. En fait, c'est des contraintes, les tours de guet. C'est pas une blague, c'est des contraintes, les tours de guet. Regardez, j'ai des toits partout, c'est la merde. Ok. Je pense que tout est une contrainte dans un sens. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui, effectivement, hein. Ah, c'est beau, hein, c'est beau ça. C'est beau ce que tu dis, Galacta, d'ailleurs. Oui, je vous disais que le jeu était... Pourquoi vous êtes mécontent? La usine d'exigence, oui, mais moi de toute façon j'en mets plein, elles font rien. J'en mets plein, elles servent à rien, mes usines d'exigence. Alors bon, écoutez, voilà. Usine de soutien. Putain, en vrai je comprends pas le concept des usines d'exigence. Genre elles font vraiment rien. Elles servent à rien. Là, il y a un toit au milieu, il y a un toit là, il y a des toits partout en fait. Il faut que je suis obligé de monter, hein. Je suis obligé de monter en hauteur. Où est le casino? Il est là. Je suis obligé de commencer à construire en hauteur en fait, j'ai pas le choix. Pourquoi vous êtes mécontents là? Ok, qui avait besoin d'eau? Là-bas t'as besoin d'eau. Ok. C'est à cause du toit que je peux pas construire. Ok, lui il est dans la zone d'un toit, c'est bon. Par contre, il y a vraiment besoin d'un brûleur, ça devient vraiment urgent là. C'est quand vous voulez, les potes. En fait, soit vous continuez à faire croire. Ah, ça y est. Et ouais, mais ça marchera jamais du coup. Ça couvrira jamais tout le monde, bah oui, voilà. Voilà comment on gère une ville finalement. Regardez, hop, ça m'a redonné un brûleur. Ça a pas redonné de brûleur. J'avais pas vu le truc. J'avais pas vu. Je savais plus qu'il était là. J'ai pas vu les pointillés rouges sur fond rouge. C'est pas ma faute. Aïe aïe aïe. Bon bah c'est pas grave. Je sais qu'il faut que je foute un brûleur ici quoi. Putain. C'est pas vrai aussi. J'y peux rien moi. Ça y est, regardez, le brûleur de vos rêves, les vieux. Hein. Le brûleur de vos rêves, il est là. Il est là. Il est là, tout le monde est alimenté en feu, là. Merveilleux, il y a marqué. Il y a marqué merveilleux, les vieux. N'êtes-vous pas satisfait? Alors, où est-ce que je peux poser ça, là? On n'y voit rien dans ce jeu. On n'y voit rien. Écoutez, voilà... On n'y voit rien, on n'y voit rien, c'est terrible. Alors attendez, je peux poser mon bâtiment
ici, j'ai l'impression. Ah, mais il est à moitié dans le vide, ce con. Ouais, en fait, c'est ça le problème de jeu, c'est qu'il faut vraiment optimiser l'espace à fond, mais le jeu ne vous en laisse pas le choix, vous laisse pas le choix, quoi. Genre lui, bah voilà, typiquement, il est posé sur une centrale électrique, il a besoin d'un chauffage au gaz, ce connard, tu vois, typiquement. Regarde-le là, oui, monsieur connard, c'est moi. Lui, il a besoin d'électricité, bon, écoutez, voilà. C'est pas grave, il y a eu quelques morts, mais ça s'est bien passé. Regardez, voilà. Des complexes d'appartements pour gagner de la hauteur, là. Pourquoi ils sont mécontents? Pourquoi est-ce que... Il faut que je sois à 100% de bonheur, en fait? C'est ça le délire? Comment ça, t'as pas d'eau, toi? Oh, putain, il est trop loin de la citerne. Trop loin de la citerne. Putain, en vrai, il est dur, ce jeu, hein. C'est pas une putain de blague, hein. Ah oui, ça me permet de corriger mes erreurs, les tours, d'accord. J'ai compris. Alors là, j'ai ce jardin là, je peux pas construire dessus. Mais est-ce que finalement je peux pas gratter petit à petit en rattrapant comme ça? Vous voyez? Attendez. Je sais même pas sur quoi je tiens là. Ah si, mais si, là tout c'est un brûleur et eux ils veulent de l'électricité. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles. Regardez-les là. Oui, non, on a décidé que notre appartement, nous, il serait chauffé au gaz. Bah non, en fait. Pas juste faire ça, quoi. Enfin, tu peux pas juste être un bâtard et niquer les maisons de tout le monde parce que t'es égoïste. Oh putain. Ok. Ouais, donc en fait, je crois que je comprends. En fait, le jeu est infinissable. Enfin, c'est pas un jeu finissable, mais vous avez compris, quoi. Le jeu n'avance pas. Enfin, c'est impossible d'aller aux 5000 en commençant une partie comme ça, from scratch. Il est où mon générateur électrique? Il est là. Est-ce que vous allez voir? Oh putain, ça y est. Vous êtes en dessous du seuil de bonheur critique qui, je ne sais pour quelle raison, continue de grimper alors que j'ai pas de quoi répondre à vos exigences, quoi. Merde. Je file bonne soirée. Des bisous à toi, Yumu. Passe une bonne nuit. Écoutez, moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je vous fais des trucs super. Je vous fais des propales incroyables. Les usines, elles font rien. Lui, ce sera le bâtiment parfait entre deux, quoi. Et eux, ils ont besoin d'électricité, quoi. Très bien. Mais ça tue des gens, les tours de guet, en fait? Ça tue des gens, les tours de guet? Ok, un brûleur. Alors, le brûleur, on va le mettre ici. Ça n'a pas explosé. Excellente nouvelle. Mais là, vous allez être en crise démocratique, mais en même temps, vous êtes tellement intolérant que vous voulez 80% de bonheur sur votre putain de truc. J'y peux rien, moi. J'y peux rien. On va essayer de fermer la tour à nouveau pour regagner notre espace. Attention, les citoyens sont irrités, vous perdez en deux tournes. En deux tournes, et merde. Bah oui, mais là j'y peux rien, vous comprenez bien que le jeu me donne pas assez de ressources quand même, non? Il flottant town, qui est pas la même chose qu'il flottant de ville. J'ai atteint un nouveau truc. Génère une tour de guet tous les 3 tours. Ah oui, donc en fait j'ai le choix entre la peste et le choléra quand je choisis ces trucs là, en fait. Fantastique. Et bah très bien, tiens. Attention, là j'ai perdu dans un tourne. J'ai perdu dans un tourne. Ah, et ça construit du soutien? C'est du solide? Bon, malheureusement j'ai perdu là.
Ok, le terrain a duré 32 jours. Il faut en town. De 1452 indécis ont vécu ici. Crise sociale à nouveau, hein. Ok, je crois que c'est marqué sur le debuff fuite. Que ça cassait pas les usines. Il disait que ça cassait pas les bâtiments solides. Ok, donc là on a 330. Alors, décharge. Laissez-vous passer le tour même s'il vous reste encore une pile de bâtiments en les détruisant. Isolez, conserve les bâtiments plutôt que de les détruire. Ouf. C'est important, en fait le mécanicien c'est un buff, on est d'accord? Et c'est quoi la prison, ça sert à quoi? Toddy donne 2 de plus de lui-même lorsqu'il est détruit. Mais ça on n'a pas envie de les avoir, non? Et ça, école. Si votre bonheur descend en dessous de 50%, ce bâtiment pardonne la moitié des décès. On donne 1 de chaque usine et vous permet de tirer un autre spécial une fois. Je comprends pas exactement, mais on va dire ok. Très bien. Double la vitesse de travail de chaque usine placée sur ce support. Ah, voilà. Ok, on recommence. On recommence. Ok, la trad Google qui aide pas trop aussi. Mais c'est pas grave ça. C'est pas grave ça. Ok, de la flotte. Ok, le jeu commence, on va apprendre à s'en servir. Alors, maison sans jardin. On va commencer, en règle générale, à placer les bureaux à domicile. Donc on a dit qu'on faisait un angle comme ça. Ça a besoin d'eau et d'électricité un peu partout, quoi. Maison sans jardin. Oh putain. Ok. Là, il y aura besoin d'un toit et d'un truc qui brûle, quoi. Ok. Faut qu'on pense à agrandir notre truc, mais pas trop non plus, quoi, en fait. En fait, j'ai l'impression que tout l'équipe de jeu, c'est de réussir à trouver le bon équilibre entre... entre exploiter la hauteur et exploiter la largeur de votre plateforme. Donc un soutien, on sait que ça peut aider à porter une citerne et qu'il faut pas le placer de manière à gêner les bâtiments qu'on veut poser non plus, quoi. Ça sert à s'élever. Alors le soutien, où est-ce qu'on va le mettre là? On va le mettre là pour l'instant. J'imagine qu'on va le mettre là pour l'instant. Ok, le chauffage, ici c'est très bien, il leur faudra un toit par là je pense, ou par dessus la citerne, maison portative, qu'on essaie de placer, voilà, c'est à côté, assez proche du chauffage. Ok, l'électricité, du coup, qu'on va faire attention à placer de manière à pas faire péter les trucs, mais à couvrir quand même un maximum de zones. Voilà. Très bien. Et donc là, il nous faudra un toit, j'imagine, par-dessus ce truc-là.
au centre là. Voilà, le toit est ici, très bien, très bonne nouvelle. On va le mettre par-dessus ça, je pense. Par-dessus ça? Ok. Et on va commencer du coup à construire autour du toit. Pour commencer à reprendre nos droits dessus. En tout cas, on peut construire un dôme autour de cette zone-là, quoi. Bon, là, pour l'instant, vous êtes tous méga heureux, quoi. C'est incroyable. Par contre, bah, du coup, vous êtes habitués au bonheur, apparemment, et ça vous plaît pas. Et du coup, vous commencez à remettre en question vos standards de vie, quoi. Très intéressant comme comportement, hein. Genre 100% de bonheur, 0 mort, et les mecs sont en mode on peut faire mieux, je pense. Bizarre comme fonctionnement, mais bon, c'est pas grave. J'imagine qu'il faut que je vous accepte comme vous êtes. Très humain finalement. Ouais, je m'en serais bien passé d'ailleurs, voilà, c'est... Parce que toi tu dis très humain, moi j'ai envie de dire très pète couille en fait. Mais bon, c'est, après, c'est... Voilà, chacun sa sphère de perception, évidemment. Parce que là, votre besoin de bonheur, il grimpe en flèche. Vous êtes casse-couille, en vrai. Il touche pas exactement. Voilà, ça y est. C'est le début de la débandade. Il y a un deuxième toit à mettre. Genre, va te faire foutre, en fait. Juste vraiment, il y a un deuxième toit à mettre. Il y a un deuxième toit à mettre. Voilà, apparemment j'ai besoin de mettre un deuxième toit. Apparemment, il faudrait que je mette un deuxième toit. Et on va le mettre là. Pour l'instant, ça va. Je sais pas trop comment est-ce qu'il rentre dans les bâtiments, mais pour l'instant, ça va. Je sais pas trop comment est-ce qu'ils font pour rentrer chez eux le soir, par exemple. Mais ça tient. Ça tient. Ok, vous savez quoi, je vais faire le foufou. Je vais mettre un truc par le... Non, j'ai rien dit. Là. Ok, Chouville. Alors, j'ai le choix entre la tour de guet ou l'école. Ah oui, d'accord, ça y est. J'ai débloqué des trucs, d'accord. Si votre bonheur descend en 50%, ce bâtiment pardonne la moitié des décès et donne un de chaque usine et vous permet de tirer un spécial une autre fois. Très bien. Et donc là, garage et stockage ou casino et deux garages. Allez, un casino et deux garages. Donc cette usine, elle va donner un casino et deux garages. Donc typiquement les garages, vous voyez, il faudrait que je les mette là, là. Donc usine d'action, on va la foutre là, là. Voilà. Et le casino, j'aurais bien aimé le foutre dans un coin où c'est pas trop gênant. Genre ici, par exemple. Je peux pas. On va le foutre dans le coin ici. Du coup. C'est une école ça, c'est pas un casino. C'est pas grave, c'est tant mieux. C'est putain, par contre c'est immense. Maison usine générera des maisons jusqu'à ce qu'il s'écroule. Oui, très bien. Écoutez, voilà, ces trucs là, je pense qu'ils vont se démerder pour aller dans leur coin là. Voilà. On n'aura pas besoin de s'occuper d'eux. Ces trucs là n'ont pas besoin d'être avec les autres. La porte de l'école qui est en position sur la mer. Écoute, Aleisten, tout de suite, voilà. Mais ça, si je vous dis, vous passez votre temps à vous plaindre aussi. Vous oubliez la chance que vous avez de vivre dans un tel petit paradis. C'est ça votre problème. C'est que vous vous autorisez pas à être heureux, en fait. Toujours un sujet de plainte. C'est très français, ça. Hein.
Pareil là-dessus. Ok. Ça a une belle... Eh, quand même, eh. Eh, quand même, eh. Eh, 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 quand même, eh. Hein? Ça a de la gueule, hein. Je suis pas Lesten. Pardon, 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 pardon. C'est difficile aussi, vous êtes violet et rose, là. Alors, générateur électrique. Générateur électrique, on sait qu'on va le mettre par là, finalement. Ah oui, et ça nous montre en bas qu'il faut qu'il y ait un truc qui va péter, là. D'accord, ok. On va le mettre par là. Voilà. Non, mais aussi, là. Désolé, c'est parce que j'ai confondu. J'ai confondasse. Et on s'en sort bien pour l'instant, là. Dit-il juste avant de faire une dinguerie. Bon, là, il faudra du feu ici, du coup, apparemment. Le problème, c'est que l'école, elle sert à rien, en fait. Ils font que mon bonheur passe en dessous de 50%. Mais ça va jamais arriver. Vous allez juste monter jusqu'à 80% et être en mode « Eh, ben content !» Et moi, je vais être là en mode « Bah, désolé, frérot. Je peux rien faire pour vous, en fait. » Allez, le casino bien au bord, là, hein, voilà. Oh, le casino qui a besoin de ses salles... Quoi encore? Dette s'enflamme lorsqu'il est placé dangereux. Oups! Ça lui apprendra, ce connard. Non mais vous l'avez vu? Il était là, oui, je suis une bombe, machin, tout. Bah écoute, explose, hein, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Hein. Chauve va, putain, chauve va. Deserved, ah bah carrément. Hein. Là, là c'était mérité, là. C'était bien méritasse, comme disent les jeunes. Ok, il me faudra vraiment un générateur de feu, genre là. Merde. Oh oh. J'ai oublié qu'il fallait que je mette un générateur du feu ici. Oups. Oupsie. Oupsie daisy. Dommage pour vous. Ah mais les gens morts m'empêchent de... Attends, mais l'école elle va servir à rien là du coup. Les gens morts m'empêchent d'avoir du bonheur en fait. Les morts sont comptés dans les sondages. Je répète, c'est la merde, les morts sont comptés dans les sondages. Quand ça va mal, les mecs ils sont en mode... Ouais ouais. Qu'est-ce que vous en pensez alors de la vie? Ils sont en mode bah, pas ouf. Ah, oh, vous avez raison, c'est vraiment pas ouf. Putain, j'en peux plus. Non, mais ils comptent les morts dans les sondages, quoi. Au secours, en fait. Putain, je vais même pas pouvoir placer. Bravo. J'ai même pas pu profiter du garage en fait. Mais l'école elle sert à rien. Aïe 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 aïe. Les morts ne votent pas. Les morts ne votent pas blanc Mayday. Ah putain. C'est la merde quoi. La décétocratie finalement quoi. Ah putain. Alors attends, j'en couvre combien là? Montre-moi combien j'en couvre là. Si je me mets là. J'en couvre 3. Ah, il m'en faut 2 encore. Hein. Putain, je voulais apporter des ressources avec mes usines à ressources et ça n'a pas marché. Mais attends, mais c'est hyper mauvais en plus les garages en fait. J'étais en mode c'est la vie et tout, mais en fait c'est de la merde. Parce que ça épuise mes usines. Donc en fait si je fais une connerie et que une seule fois dans tout le jeu je mets un garage à côté de mon usine de ressources, c'est fini en fait. C'est ça? C'est la merde. Je comprends pas comment je suis censé
Je sais pas pourquoi est-ce que je peux la mettre là, mais je peux la mettre là apparemment. Ok, usine de soutien. Allez-y, go ici les usines là. Maison usine, je m'en bats les steaks, j'en ai marre. Usine des exigences. Voilà, faites votre truc à part là les usines là. Regardez les usines, elles sont en train de se faire leur petit truc là. La tour des usines pendant que le monde vit sa vie quoi. Les usines elles font leur petit tour là. Alors, ok. Donc on a un truc qui va faire kaboum ici là. On a un kaboumski à installer juste là. Ça m'a l'air pas mal. On va installer un soutien juste à côté du kaboumski pour faire un réservoir de flotte. Par là-bas. Ok. On va commencer à construire autour, on est d'accord. Mais là par contre lui là il va être malheureux à vie quoi le pauvre. Jamais j'installe une centrale là quoi. Jamais j'installe une centrale ici, vous êtes fous en fait. Salut Tienne, comment tu vas? C'est si peu esthétique, de quoi ça? Mais si, c'est méga bien, arrête. C'est méga bien, t'es ouf ou quoi? Ok, deux réservoirs d'eau, what? Ah merde, attendez, il faut que je les mette là parce que sinon ils vont tout exploser. Ouais, toi tu pètes ce bâtiment là en fait. Ce bâtiment là il pète, ce bâtiment là il pète. Ce bâtiment là il pète, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Je peux mettre là si vous voulez, hein. Ça sert un peu à rien, on est d'accord? J'imagine qu'il vaut mieux que j'aille. Là je peux pas. Où est-ce que j'avais mis mon deuxième soutien là, mon deuxième plateau? Ah il est là non? Non, ça c'est un bâtiment ça. Il est où mon deuxième soutien? Bah écoutez, je vais faire une tour, hein, j'ai l'impression. Hein. Alors, c'était. Alors attends, de quoi? C'était tout pour moi, c'était la pause pipi. Bien écoute, Tienne, enjoy ta journée. Hein. Ta soirée, je veux dire. Qu'est-ce que tu fais déjà? T'as dit que t'étais à un concert ou un truc comme ça, non? Putain, bien évidemment, il faut une centrale juste là. À côté du truc qui va exploser, du coup. À côté des trucs qui vont exploser. Bah, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Il faut que j'arrête de construire en hauteur. Faut que j'arrête de construire en hauteur, les cocos. Enfin, faut que j'arrête de construire en hauteur. Non, mais il faut que je construise en hauteur plus intelligemment. Genre là, eux, ils vont être malheureux, quoi. Putain, je suis à 90% et vous allez juste être malheureux, quoi. Vous avez choisi le malheur. C'est pas triste, ça. Alors, attends. Complexe d'appartement. Regardez le trucage. Regardez l'habile trucage. Hop là, rien ne pète. Alors, c'est qui le plus malin, là? Bon, c'est pas moi, parce que maintenant, toutes les maisons qui vont avoir besoin d'électricité, je vais devoir les foutre par là-bas, hein, mais... Pourquoi est-ce que je peux pas placer mon truc là? Ah, à cause de celui-là, c'est ça. Ok, d'accord. Très bien. Ok. J'ai filé moi, salut tout le monde. Bye, Sorut, des bisous à toi. Et là, franchement, 92,5% de bonheur. Franchement, n'êtes-vous pas satisfait, quoi? Alors, un parc. Ah non, mais c'est les toits, les parcs. Ok, d'accord. Je pense qu'on va le foutre là. Je pense qu'on va le mettre là. J'aime pas trop son placement au poteau là. On va refaire la même. On va le mettre par-dessus la citerne à nouveau. Comme ça, ça va refaire un pôle ici. Et on va essayer de déporter les constructions dans le coin. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une notion de gravité à un moment aussi? Est-ce que la gravité va m'attraper et me dire mec, tes constructions elles sont pas droites?
ton île elle penche vraiment sur la... elle penche vraiment par là-bas. Parce que là pour le coup ça c'est un autre pôle d'usine en fait hein. On a raté notre truc avec le garage mais c'est un autre pôle d'usine. Chouville qui devient de plus en plus la cité clabousse. Ouais ouais bah oui hein. Mais regardez comme je suis gentil et généreux. Et vous allez quand même vouloir me décapiter parce qu'il y a 100 morts. C'est ça? Il y a eu 100 morts depuis le début de la ville, alors qu'elle existe depuis quoi, 30 jours? C'est ça, hein? Ça me dit mon prochain tour. Ah. Hein? Je comprends pas. 28 jours, eh, franchement, il n'y a eu que 100 morts en 28 jours, franchement. C'est le casino ça. Ah mais oui, en plus, c'est le casino qui vous a tous tués. Moi j'étais pour rien, moi. Hein. À la base, je vous avais dit de pas y aller au casino, vous m'avez pas écouté. Vous êtes allé au casino, vous êtes mort. Logique, hein. Il y avait un pixel ici, là, où ça s'est mis bien, là. Oh, j'ai eu peur quand j'ai eu le petit feu dessus là, j'étais en mode allez vas-y. Mais pourquoi vous êtes pas content? Pourquoi vous êtes pas content? Regardez pourquoi il y a un petit smiley pas content. Je comprends pas en vrai, je vous jure je comprends pas. Ah hein. Oh, putain c'est trop loin de mon générateur électrique. C'est pas content à cause de lui là c'est ça? C'est lui qui pète les burnes non? Je suis pas fou. Et allez, ça a besoin d'un chauffage parce que c'est trop loin des chauffages. Super. Lui aussi, il a besoin d'un chauffage. Mais vous êtes relou en fait, les potes. Fallait pas faire sauter le casino. Mais je l'ai, c'est pas que je l'ai fait sauter. C'est pas le problème. C'est pas le fait que je l'ai fait sauter qui vous a dérangé, hein. C'est le casino, il est arrivé, vous étiez en mode et vous êtes mort. C'est tout hein. C'est même pas le fait qu'il ait pété ou quoi hein. Putain et lui il est trop loin de la flotte. Mais vas-y. J'imagine qu'on va réessayer l'école à nouveau pour voir ce que ça donne. Deux garages et trois casinos, c'est pas mal. Usine d'exigence. Alors attendez, parce que là du coup, faut que je les pose intelligemment. On est d'accord? Usine d'exigence. L'école, on s'en bat les steaks. Voilà. Vous savez très bien ce que j'en pense. Ok. Et maison-usine, on s'en fout aussi. Allez. C'est parti. Voilà. La tour des usines, là. Et ça, c'est quoi ça? Usine d'action. Ça, j'en ai besoin par contre. Mais ça va me donner des casinos, ça. Pourquoi est-ce que... Putain, en vrai, ça commence à me saouler, vous fassiez la gueule. Et donc là, fuite. Donc j'ai pas le droit de placer ma citerne, là, on est d'accord? Là, ma citerne, c'est mort, quoi. Alors regardez, sinon... J'ai un problème de bâtiment qui a besoin d'eau, les vieux, là. Et voilà. S'en fout. Ça fait 75 gens qui sont morts en plus, mais ça fait au moins les gens statistiquement sont heureux. Actuellement en train d'appliquer la politique la... Attendez, je vais rien dire en stream parce qu'après il va y avoir des descentes de CRS chez moi là. Attendez, je dis Rine. Je dis Rine. J'ai rien dit. J'aime notre gouvernement. Attendez.
Je vois rien à ce que je fais. Ok, c'est bon. En vrai, y a deux connards qui ont besoin d'électricité. Là, vraiment, ils peuvent pas juste déménager, quoi. Mais là, mon problème, c'est que j'ai commencé à construire une tour, là. Il faut que je reconquise les étages du bas, là. Reconquière. Regardez. Vous voyez ? Faut que je reconquière... Faut que je reconquière les étages du bas. Oh, le casino aussi, lui faut de l'eau, l'électricité, j'ai envie de le tuer. Comment ça, trois petits points? Mais va te faire foutre en fait, juste. Bon, l'avantage c'est qu'on sait qu'il nous faut de l'électricité ici. Est-ce que je peux couvrir ces deux là? Non, je peux pas. Mais lui, il est carrément trop bas en fait. Il va juste saouler. J'ai cru que lui allait péter. Hein. J'ai cru que j'étais en train de faire une connerie. Je me suis vu exploser, hein, je vous jure. Ok. Très bien. Bon, il nous faudra un réservoir d'eau quelque part par là. Genre, si on peut mettre un soutien ici avant le prochain réservoir, c'est chouette, quoi. Ça commence à faire une zone très étendue, là. Et vous êtes globalement mécontent. Hein, toi, bah, la bonne nouvelle. Ça m'arrange. Oui, en fait, les toits, faut pas les foutre près des usines, mais faut les foutre quand même, quoi. Bah oui, il y a besoin d'un brûleur ici maintenant. En vrai, j'aimerais comprendre d'où viennent les besoins de brûleurs et autres. Alors. Qui a besoin d'un brûleur? Vous êtes deux à en avoir besoin, c'est ça? Parce que toi, t'en as besoin aussi, toi. Le problème, c'est qu'un brûleur là, c'est une connerie, quoi. Donc je vais alimenter celui-là. Et puis, bah, les autres vont se faire voir, hein, malheureusement. Il y a besoin d'électricité, tout va bien. Lui aussi, tout va bien. Et là, il faudrait vraiment un réservoir d'eau juste là. Le problème, c'est que ça va pas se passer comme ça, quoi. Enfin là, on est en train d'aller assez loin, quand même. Hein. Mais je sens que vous allez essayer de me décapiter bientôt. Hein. Je sens que c'est imminent, la décapitation, là. Regardez, le deuxième... Regardez, je vous mets un deuxième casino. N'êtes-vous pas heureux? Eh bien, apparemment, non. En vrai, je comprends pas le concept des usines, là. Hein. Stock d'usines de maison sera généré. Nombre d'usines d'action 1. Je comprends pas le cycle de vie des usines. Actuellement. Ok, il va falloir un brûleur par là. Le problème, c'est qu'on a un réservoir électrique juste l'eau. Ouais. Faut vraiment un putain de réservoir d'eau vite. Genre pitié, en fait. En fait, c'est ça la connerie, c'est que le jeu m'a généré un réservoir d'eau tout à l'heure et je l'ai utilisé pour péter un bâtiment. Et en fait, le jeu, j'ai l'impression, vous génère des ressources, genre en mode tiens, voilà du boudin. Ça va durer le temps qu'il faudra, et puis si t'en fais rien, bah c'est bien fait pour ta gueule. Et du coup, j'ai l'impression que là, actuellement, c'est bien fait pour ma gueule.
Et que du coup, bah, d'ici quelques tours, je vais mourir, hein, finalement. Hein. Alors, on avait dit que ces usines-là, elles allaient générer de leurs ressources. Into être drainées. Merci. Alors, il me faut un réservoir d'eau par là-bas. Le problème, c'est que là, il y a marqué fuite, donc c'est non. Bah ouais, c'est ça mon souci en fait. C'est que j'ai pas de plateforme sur laquelle je peux poser mes trucs quoi. Les casinos ont toujours besoin d'eau, j'ai l'impression. Et j'en tire jamais rien de bon non plus. Il faut vraiment un brûleur au milieu là. Alors attendez. Là, on est bon. Ah, j'en ai un deuxième. Allez, mon pote. Il est pour toi, celui-là. Attends. On va trouver un moyen de le rentrer, on va trouver un moyen de le rentrer, t'inquiète. Ah non, on va pas trouver de moyen de le rentrer, non. Ou alors je fous tout en l'air en appuyant ici, et puis voilà quoi. Ah, le problème c'est que là t'es pas content quoi. Ah! Ah! Et bah voilà! Et bah voilà! Il a fini de nous casser les couilles lui! Bon tiens, j'en mets un là. C'est bon! Wouhou! Oh! Solide! Ne peut pas être détruit! Putain, les têtes de moailles, ça marche! La putain de sa race, les têtes de moailles, ça marche! Oh. Alléluia! Oh, les têtes de moailles, c'est des sauveurs! Les têtes de moailles sont solides! Nice-u! Nice-u! Et j'ai niqué l'accès à ces usines, j'ai l'impression. Peu dommage, j'aurais pas dû poser mon toit à la va-vite là comme ça là. C'est pas grave. No way, les pélos sans élec depuis day one, il a enfin un générateur, je suis ému. Bah il reste plus que lui maintenant. Il reste plus que ces 78 personnes qui sont malheureuses. Ah non merde, et lui il lui faut un toit. Ah zut. Bon au moins, vous n'allez pas me tuer tout de suite. Ah bah voilà le générateur. Alors, on fait tout péter ou pas? Alors attends. Tiens, regarde. Attends, là ça pète là. Regarde, il faut bien faire attention quand vous positionnez ce truc. À pas déconner du tout, mais genre, mais zéro. Genre là c'est bien. Il y a des générateurs électriques partout dans cette putain de résidence. J'y crois pas quoi. Ok. Bon, globalement vous êtes satisfait et le niveau critique de bonheur a l'air de s'être arrêté de grimper à 80%. Ce qui est en soi une bonne nouvelle. Est-ce que je mettrais pas un générateur électrique par ici là? Et je vais me servir des citernes pour reconquérir la hauteur finalement. Voilà, très bien. Eh franchement, elle a de la gueule cette cité. C'est un bordel sans nom, j'aimerais pas y vivre, mais elle a de la gueule hein. Oh putain, et lui il lui faut un chauffeur. J'avais pas vu. Bon bah ils sont deux du coup. Oh là 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 là, je te jure. Lui il a l'eau qu'il lui faut. Bon là il faudra que je mette un jardin ici là je pense. Ok. On est presque à 3500 les viewers. Je sais pas ce qui va se passer quand on sera à 3500, mais il va se passer, c'est sûr.
Ok. Alors. Deux garages, un casino, quatre casinos. Ah, je suis obligé de prendre, je suis obligé de bouffer des stockages là. Eh bien, essayons trois stockages. Je pense que les toits vont pas trop me gêner. Plus trop maintenant, c'est bon en vrai. Alors, usine de soutien, merci. Donc celle-là, et ça c'est quoi? C'est une usine de maison. Ah putain, mais du coup, tu pouvais pas me donner une usine. Ah non, usine d'action, c'est bon. D'accord, ok. Alors attendez. Les usines, faut pas que je les conne, faut que je les rende, faut que je les laisse accessibles. Voilà. À part l'usine de maison qui, elle, sert vraiment à rien. Et qui va là. Voilà, très bien. En vrai, avec les Moai, les casinos sont plus qu'utiles maintenant. Bah, il faut que ça marche. Il faut que ça marche, mais c'est vrai. Après, regarde, j'ai un soutien là, ici, là. Alors, où est-ce qu'on pressent le besoin d'une citerne, les cocos? J'imagine que si on va développer la ville par là-bas, on aura besoin d'une citerne, non? Parce que là, on a déjà deux citernes ici, là, qui sont à peine recouvertes. Qui sont là, vous voyez. Donc, on peut encore développer ici avec la chaufferette et l'électricité, là. J'imagine qu'on pressent un besoin d'eau par là. Comme ça, vous voyez. Qu'on va essayer de construire autour. Comme ça quoi. Par contre lui il commence à demander un chauffage, du coup il va me saouler. Ok. Et voilà. Called it. Freaking called it. Ok, donc une citerne par là à construire quand on peut. Un brûleur, la bonne nouvelle c'est qu'on peut en faire un ici et que ça ne va pas exploser. On peut même le faire sous la citerne, regardez. Ah non, on peut pas. Mettre ici, hein. Let's go. Le complexe d'appartement, on sait qu'il peut aller nulle part par là. Attendez, s'il n'y avait pas un pixel là, là. Non. Ah, il peut se construire par-dessus le bâtiment là, d'accord, très bien. Non, mais on va le mettre là, je pense. Oh, il a besoin d'électricité. Faudra que je mette une, un truc électrique, un groupe électrogène là quand j'en aurai l'occasion. Alors, est-ce que là je peux rejoindre? Oui, je peux rejoindre. Très bien. Et là, là j'ai besoin de place pour ma citerne sur ce truc, donc faut pas que je déconne. Plutôt là, finalement. Il faut vraiment une citerne ici. Il faut pas que j'oublie que j'ai besoin d'un toit là-bas. Dans ces eaux-là, je sais pas où. Ok. Alors, la citerne qui arrive, coming in hot, très bien. Parfait. C'est quoi ça? Ah, le casino. Alors c'est parti. Le casino, c'est y part. Le retour du casino. Qui requiert quoi cette fois-ci? De l'électricité, il se fout de ma gueule ou pas? Ok, un Moai. Alors le Moai, il faut le positionner stratégiquement. Ok? Il faut le positionner stratégiquement. Déjà là, il y aura un toit là. Je pense que je vais essayer de construire par là. J'avais dit que je pouvais continuer à construire par ici. La putain de tarasse en fait. Juste. Bah du coup le Moai positionné stratégiquement il sera là en fait. Par dessus pour mettre une citerne là. Et continuer à construire comme ça. Ok. Le jour se lève sur le Moai. Est-ce qu'on peut me donner un toit et une centrale électrique? Est-ce que j'ai le droit au bonheur ou pas dans le jeu? À un moment donné. Putain, on est presque à 5000, c'est incroyable. Et lui, il est pile entre les deux, il a rien, il a rien, il a rien. Oh non, c'est pas vrai. Ah, ça y est, alors une citerne en plus.
Donc la citerne, on va juste la foutre sur le Moai en fait. Voilà, comme as. Ok, ça c'est bon ça. Alors, attendez, parce que là je suis où là? Je suis ici. Faut vraiment un groupe électrogène là, là. Ça, c'est une maison small, c'est des trucs tout petits là. Ok. Il y a tellement d'échafaudages au secours. Bah écoute, ouais, mais en même temps, j'y peux rien quoi. Alors, mes usines, c'est parti. Le garage, c'est vraiment le move de malade quoi. Regarde. Pourquoi tu m'as pas donné ce qu'il fallait, connard? Pourquoi il m'a pas donné ce qu'il fallait, ce bâtard? J'avais pas d'usine qui me donne de la flotte? Bah, c'est parti pour les stockages, du coup. Oh, les 9 toits à placer et 2 citernes là. 10 toits, pardon, excusez-moi. Putain, et lui aussi, il lui faut du feu là, hein. c'est trop relou. Où est-ce que je place mes citernes? Je vais les placer là, on est d'accord. Une là. Une là. Et les toits, putain, les toits, je sais pas où est-ce que je vais les foutre. Hein. Genre l'eau. L'eau. Puis l'eau, là, on s'en fout, hein. On les fout, on s'en fout, les toits, je pense. Très bien. Parfait, n'hésitez pas. Je vous rappelle que c'est purement décoratif et donc purement inutile, hein, les toits. Hein. Regardez. Regardez, je fais de l'art, les viewers. Très bien. Bravo. C'est vraiment très très moche. Putain, mais il me faut vraiment un truc, un complexe électrique là. Genre fast. Et un brûleur, je sais pas où est-ce que je vais le foutre, le brûleur. Faut que je laisse un espace au milieu là pour que les gens puissent construire un groupe électrique. Donc je pense que je vais me mettre là. Puis là. Voilà. Est-ce qu'on va réussir à atteindre les 5000? Alors. Un peu de verdure. Ici. Voilà. Aïe 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 aïe. Alors attendez. Parce que du coup l'électricité, on va essayer de la foutre en contrebas quand elle popera. Donc genre là, voyez. Par contre, du coup, il faut qu'on puisse construire par-dessus ce truc-là, quoi. Je crois que je suis en train de faire de la merde, là. Je crois que je suis en train de faire de la merde ici, ça me saoule un peu. Et pourquoi est-ce que le jeu me donne que des citernes, la putain de ta race? J'en ai 15 millions des citernes. Je sais plus quoi en foutre de vos citernes à la con, là. Non mais c'est terrible.
Donc là, il faudrait foutre un truc... Putain, je sais pas où est-ce que je vais mettre les trucs de feu. Quand ils vont pop. Si ils pop, si ils pop, si seulement ils pop. Si seulement ils existent. On est à 4690 et je crois que ça mesure les citoyens heureux, j'ai l'impression. Bon, j'arrive à maintenir votre taux de bonheur à 80% à peu près. Ah, alors attendez. Ça, ça m'intéresse. Ça. Mais je ne pourrais pas les faire, ces bâtiments-là. Hein. C'est pas possible, on est d'accord ? Faut que j'arrête de positionner les trucs là en fait. Je suis en train d'augmenter le nombre de concitoyens mécontents alors qu'en réalité je peux me mettre ici et juste rendre des gens heureux en fait. Je sais pas pourquoi est-ce que je continue à construire là-bas. Hein. Ah ça y est, mon électricité. Alors attendez. L'électricité, pour qu'elle couvre bien tout, faudrait la foutre là là. Voilà, ça c'est bon ça. Le problème c'est que du coup il faut que je foute un brûleur ici quoi. Il faut vraiment que je foute un brûleur ici. Je vais aller jouer là-bas, hein. Je sais pas pourquoi est-ce que je m'emmerde depuis tout à l'heure à construire dans un coin où il y a rien. J'ai tout ce qu'il faut ici, là. Les 5K, allez, ça y est, on y est. Chu City, end of the land. Débloquer le mont Farland. Eh bah très bien. 5363 indécis ont vécu. Terrain a duré 56 jours, 45 minutes. Let's go! Ligne de production, double la vitesse de travail de chaque usine placée sur ce support. Laissez-vous passer le tour, même si vous restez encore une bâtiment le détruisant. Isoler, conserve les bâtiments plutôt que de les détruire. Recherchez, génère une prison pour chaque 5, 4, 3 bâtiments joués ce tour. Run clear. Je répète, run clear. Un support non solide génère des fragments de support solide lorsqu'il est détruit. Quoi ? Boîte de nuit ! Ce support pardonne les morts des bâtiments au-dessus de lui. Un support que vous pouvez fixer sur les bâtiments du toit. Terrasse. Ah ! Sympa ça. Faisons la décharge. Et faisons la terrasse. Ok, sympatoche. Les taudis, j'ai pas envie d'en avoir, on est d'accord, si? Si, vas-y, faisons les taudis. Ok, et donc là, en fait, j'ai débloqué des trucs en plus, quoi. Et donc, en fait, au fur et à mesure, vous débloquez la suite et... je sais pas ce que c'est... Le Mont Farland. Il est quelle heure, là? Il est 59. Voyons juste ce que donne le Mont Farland, ok? La terrasse a l'air ouf. Écoutez, on va voir, hein. Enfin, on va voir. On verra peut-être un jour. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Il faut faire 10 000 ! On commence pas sur le même setting, hein. Thank you.
Attends, mais c'est quoi ce challenge de malade là? C'est quoi ce challenge de foufou, de fou furieux là? C'est quoi ce challenge de gueudin là? Imagine tu lances une run à 23h. Non, non, mais c'est bon, je vais arrêter. J'arrête quand je veux, j'arrête quand je veux. J'arrête quand je veux. Et donc là quoi? Ah oui, bah j'ai des usines. Mais du coup, c'est trop chelou. Genre, vous devez construire un truc comme ça quoi. Vous devez construire là-dessus. Bizarre comme concept un peu, non? Ok, bon, j'ai déjà foutu des gens qui sont pas bien, hein, donc on va s'arrêter. Mais c'est marrant en vrai. Déclaré forfait, oui. Terrain juré un jour, 250 loin ont survécu. Très bien. Ok, démission. Très bien, bah oui, merci, ouais. Bon bah écoutez les cocos, voilà. Donc c'était c'était Pile Up. Je sais pas si ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça sympa dans le concept. Je sais pas si j'y passerai mes journées, parce que je pense qu'au bout d'un moment ça devient un peu répétitif. Mais c'est assez stylé. Et... j'ai l'impression que pour l'instant il y a que deux modes de jeu. Le Montfarland a l'air d'être le plus compliqué. Mais ça a l'air d'être sympa. Voilà, donc n'hésitez pas, il est actuellement à moins de 10 balles sur Steam, donc allez-y. Je fais des bisous, allez coco, je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve jeudi pour la suite du coup de Persona 4 Golden en stream avec vous. En attendant des bisous et puis à jeudi, ciao ciao.